Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce sixième épisode épique de Beyond Earth, toujours en compagnie de Learn to Play. Oh yeah, moi je suis sur le front là, je tiens la mitraillette, je me bats face aux Américains qui sont complètement acculés dans leur capitale, à savoir centrale. Alors c'est eux qui m'ont déclaré la guerre, enfin qui nous ont déclaré la guerre, bah, oui parce que hein, je suis pas tout seul. Sauf que je les ai exterminés et le problème c'est que leur ville résiste parce que bah voilà, elle est assez chaude à atteindre et au final j'ai épuisé un petit peu toutes mes unités. Donc ce qu'on va faire c'est que j'ai juste envie d'utiliser ce missile nomade à la con. Non, je vais le garder. Je vais tout foutre ici et puis je vais faire un assaut groupé. Voilà, hein, mais il faut le temps de reproduire des troupes. Et ça, bah ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le temps nous manque à que tuer les mains. Et, enfin voilà quoi, c'est ça le truc. Oui. Et je viens de trouver 268 de science dans une nacelle de ressources qui était paumée au milieu de... Oh, GG. Qui était paumée, voilà. Au milieu de nulle part. Ouais, je vois ça. C'est le mot que je cherchais. Ok, donc je suis en train de produire du marine, Ok, c'est bon. Je passe le tour. Oh. Oui, attends, quoi? C'est quoi, ça? Ah non, pardon. Attends, c'est quoi? C'est un navire marchand, autant pour moi. Bon, il est en train de me découper, hein, littéralement. Il m'a buté, ouais, une unité. Il récupère trop de vie. Bon, c'est foutu, là. Là, c'est foutu. Oh, il a une... Oh, la puissance de sa ville est montée à 53. Bon, là, clairement, je pourrais pas l'avoir. Donc, il faut que je me casse. Ah oui, il a fait des bâtiments défensifs, ouais. Il faut que je me casse et... je sais pas si d'ici, il peut m'atteindre. Et il faut que je revienne avec... Enfin, c'est pas possible, il faut que je refasse mes troupes. Et en fait, ouais, mais j'ai pas assez de pureté, en fait. Donc pour l'instant, tant qu'on est en guerre, c'est pas grave. Moi, je me reforme. Alors lui aussi va se reformer, c'est ça le problème. Faudrait que j'essaie quand même de le contenir. Et puis d'un coup, paf, je vais l'attaquer et je le ruine. Mais il faudrait qu'on arrive à avoir de la pureté. Au niveau 3 de pureté, là, je suis... Ah non, mais c'est contre les extraterrestres. Je m'en fous des extraterrestres. Oui, la pureté sert pas vraiment à grand-chose. Hein, bon, de toute façon, ce que je fais, c'est produire de l'unité. Ça va réduire mon insalubrité. Et bah, ça me fera des troupes. Pendant que je suis en train de construire une méga route entre Tianyong et Kabrost... Ça va réduire le... Toi, tu vas te soigner. Toi, tu vas te mettre en état d'alerte. État d'alerte. Toi, tu vas monter une expédition. Je vais encore avoir un extraterrestre de merde qui me... Merde, c'est un ouvrier. Ah, bah c'est pas grave. Décision de quête. L'humanité a beau vivre sur une planète extraterrestre, elle lutte toujours pour récupérer ses découvertes scientifiques précédentes. Maintenant que nous avons retrouvé les capacités des réseaux, nous faisons un pas de plus vers un futur totalement inconnu. Ça veut dire dépendre de l'utilisation que nous ferons de nos technologies actuelles. Cool, truc à... Oh, il y a une colonie abandonnée, là. Coût d'entretien gratuit pour les réseaux. C'est quoi les réseaux? C'est les... Les trucs scientifiques. D'accord. Bon, bah... Voilà. Tant que ça peut être gratos... Ouais, moi j'ai pris la culture. Ouais. Ouais, c'est vrai que ma culture est pas très développée. Par contre, ma science, plutôt pas mal. Ouais, t'as plus développé la science que moi. Je peux faire une capsule d'ectogénèse, ça a l'air sympa. Je peux faire... Attends, je crois que j'ai une quête pour faire un truc de renseignement, ouais. Ouais. Mais bon, on a désactivé les espions, non? Ouais, je crois. Mais même, c'est le fait de construire le bâtiment, ouais, ça. Ouais. Allez, ouf. Du Marines. Je produis du Marines en masse. Une fois que Nientin aura la capacité de production nécessaire à faire des troupes tous les deux tours, là, ce sera bien. Mais pour l'instant, là, c'est l'ultimatum. Hein. Oh, mais pourquoi je vais pas attaquer Axiom? Je suis trop con. «
Je me retourne contre Axiom. Nacelle de ressources découverte. C'est toi qui l'as découverte? Ouais. Ok. Dans la nacelle de ressources, vous avez trouvé des biens et des marchandises de luxe venues de la terre ancestrale et que vous n'auriez jamais cru revoir un jour. Votre peuple se sent plus uni et concentré. Vous gagnez 25 de culture. Ouais, alors là, en fait, je vais aller m'attaquer à Axiom plutôt, à la patte de... Oh, parce que Central est à 10 et 59 de puissance de... Non, mais c'est abusé. Oh, mais Axiom 46! Oh non, mais c'est encore plus abusé. Ok. Ok, bon, je vais en chier peut-être finalement. Ah oui, là, ce serait pas mal. Centre de réparation et après fonderie d'alliage, centre de réparation. Là, on fait tout pour maximiser la production de troupes, les gars. La production de troupes, c'est... Ouais, Marine en 4 tours, c'est pas... Bon. Lui va reproduire... Non, sérieux, tu pourrais pas m'envoyer une petite aide? Ben S'il te regarde, plaît. j'ai un blindé de l'Union africaine qui arrive, d'accord? Ah, yes. Mais un, hein, pas deux. Ok, bah, je me reforme. Et on voit ce que ça donne. Ah! Yes, bon, mon ouvrier va se faire niquer, mais c'est pas grave. Il aura détruit ce nid extraterrestre à la con. Ok. Atiangyong, bah je continue. Marines sans un tour, bah voilà. Je continue. Je fais des Marines. Je fais des Marines. Je fais des Marines. Bon, ils vont se mettre là. Je veux juste aller. Oh putain, mais c'est chaud quoi, comment il a défendu ces villes. Qu'est-ce qu'il fait lui depuis tout à l'heure? Ah mais ça s'est transformé en monorail. De quoi? Les routes de base se sont transformées en monorail d'un coup, je sais pas pourquoi. Ah c'est peut-être à cause de la technologie, non, d'une technologie. Non, même pas, puisque moi et monorail me propose de les faire à... Ah ouais, moi aussi, les routes sont transformées en monorail tout d'un coup, ouais. Bizarre. Non, moi c'est... Ouais, enfin c'est pas toutes les routes, hein. Non, moi non plus, c'est pas toutes les routes. Parce que celle que je construis là maintenant, en fait. Il va falloir que je mette à jour tout mon réseau routier. Pas cool. Ouais, Pas bah moi cool du aussi. tout. Bah moi aussi, ça fait chier. Une unité a été éliminée. Ah bah ouais, ça c'est mon ouvrier. Ça c'est... Oh putain, un explorateur franco-ibère. Alors, qu'est... Oh, niveau d'affinité en suprématie, mais je m'en bats les steaks! Putain! Je m'en fous! Pourquoi il me donne pas ce que je veux, bordel? Déterrence obtenue. Ah, je peux directement améliorer le croiseur, c'est bien ça. Voilà, j'ai amélioré un petit peu Marine mes sur petits les 4 bonhommes. tours. C'est toujours trop, c'est trop. Par contre, pharma laboratoire en 3 tours pour avoir 3 de... Ouais, c'est pas mal. Ça aussi, c'est bien. Yes, j'ai de l'énergie géothermique. Moi aussi, j'en ai plein là. Ah, mais moi j'en ai 6 d'un coup. Bon, finalement, on va plutôt. Je m'éparpille tout autour de la ville pour aller déglinguer de toute façon. Ah merde, ton rover me bloque. Je peux pas continuer ma route. Enfin, ta. Ton Tiens. unité. Ah merci, nickel. Il y a la route à partir de là? Ouais, c'est cool ça. Ouais, les déplacements seront vachement faciles. Beaucoup plus rapide, hein. Pareil, je vais faire un peu de canonnier. Il est monté à 70 de puissance et 155 PV central. Il a totalement bourré sa ville, le mec. Je vais en chier si j'ai pas des niveaux d'affinité supérieurs là. Ouais. Ou alors il faut que j'aille, je bourre Axiom, pareil. Ou alors il faut que tu bourres des valeurs. Ouais, pour brouer des valeurs, il faudrait de la culture. Et pour ça, Eh, faudrait libre plus à que je toi, sois. Mais oui, mais pour ça, il faudrait pas que je sois dans le malheur. Eh. hein.
Eh oui. Il a jamais content, le Lord Toutley. Oh, oh. Mais là, avec la mécatronique, ça va le faire. Bah, je te le souhaite, hein. Ah, je me le souhaite aussi. Bon, en attendant que Lord Toutley passe le tour, moi je joue à Royal Revolt, hein, les gens. Non, mais c'est bon, Bon, là, je suis en mode production d'unité, mais comme c'est pas permis. Tu vas voir que ça va arriver de tous les côtés, que je vais l'envahir de tous les putains de côtés, et que ça va lui faire tout drôle, bordel. Ah, je vais essayer de lui faire chier. En lui bousillant ses ouvriers. Juste pour le faire chier. Ah, mais là, je peux pas, je me fais niquer, en fait. Oh, et j'ai de la géothermie ici. Ah, ça fait plaisir. Ça fait de la thune, mais ça fait pas de... Bah oui, ça fait de l'énergie, je suis con, ça fait pas de... Tandis que Yalamu m'envoie ses véhicules de combat. Bon, les monorails seront bientôt achevés. Ah, moi je suis en train de faire une route entre chez moi et Cabrost. Ah oui. Ah oui, à partir de Tabo. Ouais. Ah oh, bah toi tu vas... Ah putain. Toi, il va falloir que tu modernises le truc du coup. Ça va me coûter super cher. Ah, les sciences extraterrestres, c'est bien ça. C'est pourri le missile nomade. Ah, mais c'est réutilisable. Ah, je pensais que c'était... Ah, je pensais pas. Ah, franchement, je pensais pas. Pour le retarder, j'ai envie de lui choper son ouvrier. Ah, ah, ah. Ça va le retarder, ça va bien le faire chier. Je vais utiliser mon chasseur tactique ultra entraîné. Il m'en faudrait plus d'ailleurs des chasseurs tactiques. Alors, dans la technologie, t'es parti sur quoi toi, que je viens te filer un coup de main? Bah, mécatronique. C'est où? C'est la mécatronique. Ok, c'est là. Ah oui, je veux. Quatre tours, ça va m'aider. Ouais. Ici, Marine 102 tours. Là, c'est la full product. Yeah! Votre expédition a fouillé la colonie abandonnée de fond en comble et n'y a trouvé aucun survivant, mais a mis la main sur des archives d'état de la chute et des derniers jours de cette communauté. L'analyse psychohistorique de leurs problèmes a permis d'un peu comprendre comment les éviter, ce qui nous permet de gagner 120 de culture. Oh, GG. Et je peux développer une nouvelle valeur. GG, mais moi il me faudrait de la pureté pour améliorer mes putains de troupes, qu'elles fassent plus de dégâts là. Ah. Une fois que la mécatronique sera terminée. Je veux ça. Alors on va passer par l'économie du don, les gens. Faudrait peut-être plus de villes, le mec, tu sais, qui est pas déjà assez dans la merde. Comme ça je vais pouvoir prendre domination de l'esprit sur la matière, ce qui me donne 7 de santé. Et juste derrière, donc générosité de la nature et joie dans la diversité, santé plus 1 pour chaque type de ressources de base aménagées. Faudrait peut-être que... Ouais, pourquoi pas continuer de faire des villes. Oh bah c'est toi qui vois, hein, mais t'es déjà dans l'insalubrité la plus totale. Hein. C'est clair, mais je me dis, au niveau production, ça doit être le top. Ah oui, production c'est le top. Mais moi déjà avec 4 villes, je suis à 5 en insalubrité, quoi. Et hop, je me casse avec mon ouvrier. Ah ouais, non, en fait, le missile nomade amélioré, c'est pas mal. Oh. Là, je vais prendre cher, mais ça me fait de l'XP ici.
Tu vas prendre quelle ville, là, Axiom ou Centrale? Non, je vais plutôt me rassembler autour de Centrale, je me dis. Tu peux juste bouger ton revers de combat, s'il te plaît? Enfin, ton... Merci. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Il s'est approché trop près, le gars. Ah, c'est bien ça, c'est route. Bordel, ça fait du bien. Carrément. Ah, ton véhicule il me bloque. Bon, c'est pas grave. Ah bah là, je peux plus bouger. Hein. What the fuck, je peux piller? Tu m'expliques? Je peux piller où? Je peux piller ma propre... Oui? Je peux piller ma propre route? Oui? Ça sert à rien alors. C'est la mienne que tu veux piller là. Mais non, c'est ma route, ça. Hein? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne cherchera pas à comprendre. Il faudrait plus de routes commerciales, franchement. Parce que... Ouais, pareil. Pour avoir de l'or, là, il me faudrait plus de routes commerciales. Ouais, puis pour... pour avoir de l'or. On est d'accord. Et je peux passer le tour! Ce qui est exceptionnel. Ok, et les extraterrestres font chier. Oh putain, mais c'est trop la violence, quoi. Ah, deux unités, un civil a été capturé. Et l'unité a été éliminée. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, bon, mon canonnier est voué à mourir. J'ai pas mal de troupes là, c'est bien ça. Je vais en profiter. Je vais faire un jardin génique. J'ai bientôt plus de thunes. Ah ouais? Ouais. Moi je perds 9 de thunes par jour. Ben, moi ça va, mais. Par tour, ouais. Je perds quand même. Enfin, je vais bientôt perdre. Là, plus je fais des troupes, plus je vais perdre. Bah, le problème, c'est que moi, je commence à perdre uniquement à cause du réseau routier, quoi. Donc, Ouais, moi aussi, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Très pratique, les chasseurs tactiques. Je comprends pas pourquoi t'en as pas fait plus, d'ailleurs. Ouais, mais le problème c'est que je suis trop loin pour la ville et il y a quasiment personne là à chaque fois donc. Il me faut plus d'unités, ça me fait de la sainteté. Ah, a déclaré la guerre à elle. Oh bah elles se sont déclarées la guerre entre elles. Oui, oui. Je sais pas si t'as remarqué, c'est que des meufs. Enfin, y'a que toi en fait. T'es le seul mec. T'es le seul mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, je crois que je vais me faire... défoncer, mais c'est pas grave. Je m'apprête à... Vraiment, là, je me prépare avant de... Histoire de pouvoir... continuer... vraiment à lui envoyer des troupes non-stop. Oh. Et tu penses que ça suffira, toi? Ah oui. Avec notre nouvelle fonderie d'alliage, la production sera bien plus rapide qu'avant. Si le titane est très répandu sur cette planète, nous pouvons toujours trouver des moyens d'étendre son utilisation. Nos ingénieurs ont développé un procédé permettant de fondre le titane et de combiner à d'autres ressources. Cela permettait de créer soit du titane plus résistant, soit davantage de titane. Oh, mine de titane, production plus 2. Créer davantage de titane, titane plus 4. Bah la prod, hein, le titane c'est pas ce qui nous manque. Hein. Ouais, mais dans les deux cas, ça fait de la prod donc... Ah bah c'est cool pour toi.
J'avoue. Ok. Non, bien. Et toi, tu vas te soigner. Et là, je vais. Ah, pourquoi pas une autre fonderie d'alliage? Non, encore des Marines. Je ne produis que des troupes. De toute façon, c'est tout bénef pour moi parce que bon, même si je perds pas encore la thune d'ailleurs, mais même si je perds la thune, ça m'améliore mon insalubrité. Donc. Et on va découvrir Mécatronique en plus. Oh là là là. Ouais. Ah, oh, mais putain, si seulement j'avais. Oh, j'ai pas assez d'affinités. Ça y est, je suis à zéro. État d'alerte, état d'alerte. Ah, tu m'as piqué la place. Ah, je ramène toute la famille, moi, hein. C'est Noël, hein. Oh putain, ça va tellement vite le monorail. Le monorail, c'est la vie. Écoute, toi, tu vas rester là, mon ami, parce que comme ça, t'es à... toi aussi, tu restes là. Je vais faire un vivarium quand même, histoire d'augmenter un petit peu la croissance de Cabrost qui stagne. Il y a de cela quand même. Enfin, il stagne un peu plus en fait. Chimie organique. Oh, pas mal. C'est pas mal, chimie organique. Mais il me faut Pas mal. plus de pureté. Agriculture La pureté là sur verticale. Mécatronique, t'as l'ève mobile qui rapporte de la pureté mais qui prend longtemps. On peut faire agriculture verticale, servo-machine. C'est où agriculteur vertical? Mais tu sais, t'as les filtres en haut, mets les filtres. Oh, va te faire voir. Dis-moi où c'est. En haut à gauche. Ou alors Ah, tu veux l'ail? servo-machine, comme Il tu faut veux. d'abord faire la biologie avant de faire l'agriculture verticale. Non, on s'en fout, tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais, ah non. T'as raison, faut Là, tu faire vois, la j'ai lancé biologie. sur la biologie, voilà. Ah mais biologie, ça va être bien. Ouais. Ah oh oui, ça va être bien, oui. Ça ne peut qu'être bénéfique. Oh, je vais faire du Exactement. terraménagement là-bas, ça va être énorme. Un peu comme ma bite. Marines, Marines, Marines. Bon, ça y est, t'es prêt à l'attaquer, là, ou bien? Pas tout à fait. Attends, faut que tout soit là. Je vais morfler. J'aurais dû faire plus de canonniers parce que ils vont tous y passer. Oui. Je le pense aussi. Ouais, vas-y, comment ça? Ah, mais il est en train de me bousiller mon missile nomade en fait depuis tout à l'heure. Ces troupes qui arrivent là. Oh, fait chier, il y a les aliens. Canonnier. Toi, tu vas attendre. Tu vas attendre qu'on les dégage parce que sinon tu vas te faire bouffer. Cuyenne. Cuyenne, qu'est-ce que tu vas faire, Cuyenne? Tu vas faire un canonnier encore. Ça fait beaucoup de dégâts, t'es blindé. Pas trop. Ça résiste. Un peu. Ok. On va pas tarder à attaquer. À réattaquer, si tu veux tout savoir. Non mais elle est foutue, de toute façon, avec toutes les troupes que j'ai, c'est... C'est même pas la peine, quoi. Ta ville est juste à un paquetage de défense. Ah certes, mais bon.
Attends, faut que je la prenne par l'autre côté aussi. L'autre côté, il y a mon bonhomme à moi. C'est ouais, bon, mais bah. T'en as qu'un. Faut vraiment l'attaquer de tous les côtés. De tous les côtés. Faut l'attaquer de tous les côtés. D'accord. Ouais, ouais. Non, mais moi je suis prêt à la. Tu me dis quand on lance l'assaut et j'assaut. Hein. Je vais faire encore un canonnier ici. J'ai deux canonniers qui sont. Trois canonniers en attente. Ah. Oh, j'ai du. De la silice. Allez. Oh, l'extraterrestre, je le sens pas. On attaque après ça? Ouais. Allez, on lance l'assaut, comme ça je suicide mes deux troupes et on n'en parle plus. Ouais, d'accord. Ouais. Et moi, je vais tout piller parce que je suis un gros rapia. Ok, je me casse. Ok, je perds du fric. Moi, j'ai commencé à avancer. Hein. Ah, y a pas de souci. Moi aussi, du coup, j'avance. Bah, sauf que tu me bloques. Je te bloque où je te bloque? Bah, ton truc il me bloque. Bah, je peux pas tout avancer. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oublie ce que j'ai dit. On peut pas avancer plus, hein? Oh putain, je peux pas avoir la ville d'ici, quoi. Toi, tu vas faire un. Ah, putain. À tes souhaits. Merci. Bah, encore des canonniers. Hein. T'as pas des avions pour la bombarder à distance? Non, c'est trop loin, je t'ai dit. C'est à quoi, une case trop loin. Et... Oh, c'est une case trop loin. Eh oui. Je me suis fait baiser. Complètement. Pendant que mon déficit s'accroît de façon exponentielle, je suis à moins 16 d'énergie par tour. Moins 11. Il va falloir que je trouve une solution rapidement. Moi, je continue sans cesse de produire des troupes. Hein. Je ne m'arrête pas. Alors. Le pillage du convoi commercial nous a rapporté 100 énergie. Alors là, je sais pas qui va focus, mais il y a moyen qu'on lui fasse énormément de dégâts. Ok, donc ouais. Il m'a bousillé une unité déjà. Attaque-le toi, avance ton rover là. Ton blindé et fais-le attaquer la ville, non, je sais pas. Parce que moi, comme ça, je pourrais avancer mon canonnier. Voilà. Voilà, j'ai avancé. Ah, attends. Par contre, ce que je peux faire avec mon chasseur tactique, c'est lui tuer. Bah, ok, d'accord. J'aurais pu le faire. Par contre, moi, si j'attaque la ville, je perds directement mon unité. Cette attaque risquée, j'y fais pas de dégâts. Non, mais toi, fais pas. Déglingue juste les unités qu'il y a. Ah, oh, putain, c'est juste une case trop loin. Faut que j'avance mes canonniers. Moi, s'il y a besoin, j'ai de la troupe en renfort. J'ai énormément de troupes en renfort même, hein, si je puis dire. C'est le bonheur. Hein. Ah ouais? Et je peux culture débloquer. Ah, c'est bien ça. Alors, est-ce que c'est rentable de faire une unité? Ouais, non. Bref. Je
peux faire un marine sans 4 tours. Je vais plutôt faire du... Voilà, pharma laboratoire. Oh, si je fais un pharma laboratoire, je suis dans le bonheur. Alors. Choisissez un niveau gratuit pour une affinité. Oh oui. Ah bah quand même. C'est ma culture. Niveau d'affinité bonus, pureté. Oui. Yes. J'ai les blindés. Plus 20% en cas de compte. Non, plus 30% en attaquant des unités retranchées. Oh, ça c'est énorme. Je prends ça. Et je peux améliorer que ça? Oh. Oh, il faut 6 pour avoir les sentinelles. T'as les sentinelles, toi? Oui. Oh, sérieux, c'est un truc de porc. Bon, bah, je vais plutôt faire des rovers de combat après, alors. Et là, il y en a une qui arrive. Mais elle prend son temps, elle prend 10 tours à arriver. Voilà. Toi, tu vas aller là. Aménagement, toi tu vas dormir. Wouh, que d'action là. On va les avoir, on va les avoir. Enfin, j'espère. Si j'envoie tous mes marines à la mort, bon, heureusement j'ai deux canonniers qui font le taf. Toi t'es blindé, tu leur as donné ça quand même comme bonus, les unités retranchées. Non, moi c'est 30% d'attaquants des unités retranchées, ouais. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Oh putain, faudrait lui piller son truc de bouffe là. Lequel? Qui est juste à gauche. Alors, qu'est-ce qu'il a ruiné? L'autre, elle a fait la paix. Ouais. Ok, vétérance obtenue. Oh, une unité a été éliminée. Ouais, ça c'est toi du coup. Alors, je vais déplacer mon marine ici. Allez, je commence à attaquer la ville. Ok, je lui ai enlevé 3. 4. Non mais, on peut pas, hein. Elle est trop. Regarde ça, j'ai attaqué, je me suis fait biter. Elle est beaucoup trop défendue, elle est beaucoup trop résistante. On pourra l'avoir qu'avec des bombardiers. Bah ouais, mais on en a pas. Mais non, mais même les chasseurs tactiques, ça fait pas le... Ça fait rien. Je te laisse la place du coup devant, pour que tu puisses avancer encore tes unités. Notamment ton unité de marines là, parce que tes marines à toi, elles prennent pas trop cher. Moi, les miens, ils prennent super cher. Tu déconnes? Et moi, en un coup, elle me tue, hein. Je me suis suicidé. Avec les marines? Bah oui. Ah ouais. Ah ouais, toi aussi, ouais. Ok. Bon. Ah, ça va être un peu mort là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la paix et on se développe? Ah, attends, pas encore, pas tout. What? De suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un débarquement chez WAM, un rover de combat. Mais c'est qui eux? Ah mais c'est l'autre! C'est l'Indonésien! Ah lol! Lol quoi! T'as... Elle a trouvé la petite corniche où il fallait débarquer. Ah y'a des... Grave. T'as l'air con. Ah là là! Ah il pique. Tu me vends du rêve là. Ah ouais, non, mais moi aussi je me vends du rêve là. Bon, ça fait 34 minutes qu'on est là, on passe ce tour, on arrête. Ok. Voilà. Parce qu'il n'y a aucun respect de la part de l'Indonésienne. Hein. Oh là 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 là, je sais pas avec quelle unité. Ouais, pour l'instant je. Moi je sais. Avec les bombardiers, mais je vais faire des blindés. Avec les artilleurs. Ouais, mais c'est pas encore à ma portée, ça. Je vais faire une fonderie là-bas. Et là, bah, je vais continuer, écoute. Hein, Marines, allez hop.
Et c'est le dernier tour. N'empêche, c'est une invasion totale. J'ai quand même envie de lui pourrir ces trucs, hein. Au pire, on se retourne sur Axiom, hein. Ouais, Axiom, elle est quand même à 55, hein. Ouais. Oh là là, putain. Regarde-moi ça, c'est comme si on avait pissé dans un violon, quoi. Merci Yalemu pour cette... Ah, mais elle a une troisième ville ici! Mais c'est abusé, les défenses! Oh, la défense qu'elle a, quoi. Ouais, elle a une troisième... C'était sûr qu'elle avait une troisième ville. Du coup, j'ai mis un agent à Centrale. Je croyais qu'on avait interdit les espions. Bah écoute, apparemment pas. D'accord. Et on a découvert la biologie. Et les amis, c'est là-dessus que notre épisode s'arrête. Oh mais ça sert à rien là ce que je fais. Ouais, ça sert à rien. Repli, Voilà. repli, repli, repli. Voilà. Learn to play a enfin compris l'utilité la plus totale de sa vie, à savoir qu'il ne sert à rien. Connard! Le troll était obligatoire sur ce coup-là. Dans tous les cas, on vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser plein de pouces verts, plein de commentaires, tout ce que vous voulez en dessous, c'est là pour ça. Allez-y, exprimez-vous, dites-nous tout. Hein, voilà. Nous sommes toujours dans la même session de tournage, à savoir donc 6 épisodes avant la diffusion du premier. On est sale, mais on aime ça. C'est ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. À toi, Learn to Play. Et bah je vais dire la même chose, écoute, je vais arrêter de produire mes unités en masse. Plagiat! Je vais arrêter de produire un peu des unités parce que là en fait elles sont pas assez puissantes. Ça sert à rien, ouais. Ça ne sert absolument à rien. Mais faut pas le laisser s'étendre. Donc je pense que Ouais. ce que je vais faire c'est que je vais me foutre autour d'Axiom. Je Ouais, vais il faut pas défendre mes laisser. frontières et je vais me foutre autour d'Axiom. Enfin voilà, si vous Ouais. avez apprécié, plein de j'aime, plein de commentaires comme d'hab. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao! Voilà, c'était un... Ciao, ciao!